la splendeur ou encore la synthèse d'éléments culturels divers dans un style musulman unique, ou bien le règne de la calligraphie et de l'arabesque sont, bien entendu, des dominantes dans l'art de l'islam. Mais il faut retenir surtout, peut-être, cette vérité, qu'il n'y a pas de coupure entre l'artiste et l'artisan, ou même l'ouvrier. Ce sont les mêmes hommes qui cisèlent, qui martèlent, qui peignent au nom de leur vérité intérieure. Gardez-vous de représenter le Seigneur ou sa créature. Ne peignez que les arbres, les fleurs, les objets inanimés. Car au jour du jugement, les êtres représentés viendront réclamer une âme à l'artiste qui, impuissant à les satisfaire, subira les tourments du feu éternel. C'est grâce à ces paroles que la tradition attribue à Mahomet que l'art islamique est devenu un art absolument original, qui n'a cessé d'étonner l'Occident et qui, dans ses principes et dans ses formes, se démarque radicalement du système européen des beaux-arts. D'inspiration principalement coranique, les formes artistiques de l'islam ont propagé, comme une preuve esthétique de Dieu, les louanges du Créateur, de l'incréé, sans jamais usurper sur lui. Calligraphié dans la pierre, et l'architecture même fait de la mosquée l'espace privilégié où se déroulent les arabesques de l'écriture qui veulent joindre en un tout la beauté et la vérité. Artistes, artisans, simples ouvriers, restaurateurs d'œuvres anciennes, les mots occidentaux ne conviennent pas. L'homme qui retouche un œillet sur le mur d'entrée de la mosquée de Lahore est l'héritier d'une longue lignée de peintres. Il répète les gestes qu'il a appris, aboutissement d'une chaîne de tradition et d'initiation. L'art, il ignore la signification du mot. Pour lui, ce geste, cet œillet, sont une manière d'être présent au monde, tout comme le calife dans les miniatures ottomanes qui respire une fleur. Par son refus d'une représentation figurative de la nature, l'art islamique ouvre un monde enchanté où l'irréel a ses lois, et s'exprime selon un code tacite qui le rend intelligible à tous. Fondée sur des formes géométriques simples, la décoration artistique de l'arabesque rend partout sensible et vivante une abstraction rigoureuse et harmonieuse qui parle à l'esprit. S'agit-il avec l'arabesque d'une structure précise qui vient rythmer l'espace? S'agit-il d'un rythme mathématique qui s'impose? Ou bien au contraire, s'agit-il d'une fluidité de formes capricieuses, rêveuses, qui s'engendrent les unes les autres? En réalité, il s'agit des deux. Et l'art islamique réunit la rigueur mathématique et la fantaisie des formes. Tout d'abord, l'œil ne discerne que la fantaisie. Mais en réalité, celui qui trace l'arabesque commence par établir des rapports géométriques. Il trace des rosaces, des triangles, des pentagones, parfaitement rigoureux, et c'est autour de cette structure qu'il articule ses lignes apparemment capricieuses, de telle sorte que l'arabesque est avec la calligraphie l'art le plus caractéristique de l'islam, car elle réunit à la fois une pureté que je dirais presque cristalline, avec un jeu de formes qui rêve à l'infini.
Baudelaire a pu écrire en une de ses fusées « L'art arabesque est le plus idéal de tous ». Que signifie idéal ? Sans doute que ce ne sont pas les sentiments, la violence des couleurs, l'élan tout seul qui permettent de comprendre, mais la fine pointe aiguë de l'intelligence qui passe à travers l'entrelac des formes pour ne s'arrêter qu'à la structure pure. Est encore enseignée de nos jours. Elle doit permettre aux formes figées et codées de l'écriture un déploiement des lignes en fonction de l'espace à parcourir. Les divers agencements des mêmes symboles permettront des modes de lecture différents. Tout part du point, unité de base de la droite, qui forme l'aleph. Et celui-ci s'inscrit régulièrement comme diamètre d'un cercle qui se redécompose en courbe, arc de cercle, ovale, ellipse, donnant naissance à la suite des signes lexicaux. Suite, pour ainsi dire, mathématique, qui unit à la rigueur d'un énoncé lisible et intelligible, la profusion foisonnante des lignes qui s'enchaînent, pure forme née de l'imagination artistique. Le tracé de l'écriture, ainsi que la ligne de l'arabesque, veulent rompre la successivité continue de la parole et de l'espace, et insérant l'une dans l'autre, créer par l'ordonnance symétrique et la récurrence des formes géométriques, triangle, carré, cercle, des figures plus complexes, plus totales. La calligraphie est donc un art majeur. Elle est l'art religieux par excellence parce que vouée à l'origine à l'écriture des textes du Coran. À la beauté des versets sacrés doit correspondre l'harmonie visuelle de la graphie. Destinée à tous, les paroles du prophète sont présentes partout. Ainsi échappent-elles au cadre fermé du livre pour se dérouler comme à l'infini sur les murs des mosquées, le bois des meubles, les faïences et les porcelaines, et tous objets usuels de cuivre ou de verre. Par la calligraphie, la langue arabe, langue liturgique de l'islam, tend à la beauté achevée en alliant à l'incantation du verbe l'enchantement de la forme. Le calligraphe témoigne là encore d'un art qui ne peut être création au sens occidental, qui n'est pas l'art pour l'art, mais qui est à la base une technique parfaitement définie et un moyen de communication très fonctionnel. Mais c'est aussi et en même temps une plastique de l'écriture qui parachève formellement une beauté qui se veut totale.
Depuis la pierre brute, longuement poncée, taillée, jusqu'à l'ensemble final, la composition d'une mosaïque suppose la maîtrise d'une technique de précision. La main ici n'a pas droit à l'erreur, de même que la pensée a rigoureusement calculé la taille, la forme de chaque pièce et l'agencement des couleurs en fonction des lignes. Toujours décoratif et quotidien, l'art de la mosaïque répète et renouvelle les mêmes motifs symbolisés et stylisés de fleurs ou d'animaux étranges. Un monde irréel, somptueux et lumineux, raisonné et ordonné, d'où émane la sérénité d'une harmonie mentale et visuelle. Dans l'art ottoman, et plus encore dans l'art moghol, la peinture figurative est présente. Mais c'est un art de l'emblème plus que du réel. Profil, couleur plate, sans perspective ni clair-obscur, net et sans émoi. Il s'agit d'évoquer une trace bientôt passée, d'un homme, d'un oiseau, d'un animal. Une trace et rien de plus. À la limite de l'artisanat et de l'industrie, le travail du cuir marocain, ici à Fès, utilise une main-d'œuvre nombreuse autant que la maîtrise individuelle de techniques millénaires patiemment acquises. Pour teindre, l'artisan part de l'animal et du végétal. L'un donne le cuir, l'autre la couleur. La peau de l'agneau est patiemment battue et rebattue. Les mêmes puits en forme de godets géants qui serviront à imprégner patiemment les cuirs ramenés à l'état de minces feuilles se retrouvent en Afrique et ponctuent de cercles bleus ou carmins les marchés de Kano et de Tombouctou. Appliqué toujours à plat, sans ombre, pur et héraldique, ces couleurs sont les mêmes en Iran et en Asie centrale. Il n'y a pas de coupure dans l'art de l'islam entre l'artiste et l'artisan. On pourrait même dire l'ouvrier. Il s'agit du même homme et des mêmes principes. Il n'y a pas en islam, d'un côté, un art réputé art noble, art grand, l'art de chevalet, l'art des muses, et d'autre part, l'art des artisans, des décorateurs, des ouvriers. Ici, par l'intelligence de la main, par la stabilité des corporations, par l'enseignement du maître, les mêmes techniques passe de père en fils, de maître à disciple.
Nous avons un art pauvre et qui serait pourtant fastueux. Pauvre souvent par la matière. Il ne s'agit pas de la beauté de la matière en elle-même, comme le jade, par exemple, en Extrême-Orient. La matière est souvent de l'argile, de la brique, du stuc. Et c'est l'habileté manuelle de l'artisan qui en fait une splendeur. De même que la femme qui tisse un tapis emploie de la laine de mouton, mais c'est la beauté des couleurs qui fait la beauté de l'ouvrage. De telle sorte que le faste n'est pas dans l'objet, il est dans l'artisan, dans l'homme ou la femme et dans la transmission. La musique en islam est comme l'écriture ou comme l'architecture, un art de vivre, une manière d'être présent au monde. Comme les arts de la vue également, la musique en islam est une synthèse. Les modes grecs, le raisonnement des philosophes sur les proportions, les rythmes des pas des chameliers, soigneusement codés et répertoriés comme en poésie, les anciennes mélodies des cours d'Iran, le chant profond de l'Inde qui est aussi celui de l'Andalousie, les maîtres savants des modes ottomans, tous se sont réunis pour former une musique où la distinction du savant et du populaire n'a plus de sens. Cette musique est essentiellement faite d'intervalles de son et de silence qui forment un thème, une cellule à la fois mélodique et rythmique. Sur ce thème se déroule la répétition et la variation, développées à l'infini, capricieuses, partant, semble-t-il, à l'aventure pour revenir régulièrement à l'ordre. Le même principe se retrouve donc dans l'arabesque. Ici et là, on part d'une figure géométrique ou d'un thème simple. Et puis fusent les improvisations et les fioritures apparentes. Mais l'unité reste toujours présente, sous-jacente. Elle soutient les motifs. Ici, ce chanteur hindou très célèbre, Moinuddin Dagar, tout au long de son chant sacré, dont le rythme et la mélodie sont élémentaires, répète des paroles incantatoires. Et ce chant est comme un long chemin ponctué par le rythme gestuel qui mène à l'extase. L'art du chant religieux est un moyen pour parvenir à Dieu. Chanter sa louange, c'est ici intérioriser cette parole, se pénétrer physiquement de son sens, et parvenir à rendre sensible et réel une abstraction inaccessible. La présence divine est dans ce chant
qui fait communier en lui tous les assistants. Cet homme est à la fois flûtiste et peintre de miniatures. Il pratique deux activités artistiques, mais qui répondent au même esprit. Cette diversité n'est pas divergence, mais cohérence. Elle témoigne de l'unité de l'âme islamique. Le naï déroule l'arabesque d'une ligne musicale élémentaire sur laquelle foisonnent, au gré d'une fantaisie calculée, des sons ornementaux qui semblent imprévisibles, mais qui sont parfaitement codés. Là encore, le schéma de base est simple, mais l'ensemble est complexe. Entre le travail de la miniature et la musique, il existe une correspondance structurelle, comme entre tous les arts islamiques. La musique du flûtiste développe linéairement un thème simple qui revient sans cesse et se poursuit encore en se renouvelant, comme si elle ne devait jamais finir. De même, la miniature, centrée sur un sujet, est enrichi de mille détails infimes qui semblent vouloir remplir tout l'espace et le continuer hors de ses bornes. L'industrie du tapis est très ancienne en Iran et en Asie centrale. Mais l'islam, qui se sert du tapis comme lieu de prière, ce qui est le sens exact du mot mosquée, l'a développé et introduit dans tout le monde musulman. Comme d'autres objets usuels, l'esprit islamique en a fait un support privilégié de l'art décoratif. Motifs, couleurs et formes s'agencent d'une façon complexe qui ne laisse aucune part au hasard. Les couleurs sont longuement élaborées à partir de teintures naturelles.
Dans ce pays où dominent les tons uniformes de l'ocre, du sable et de la pierre, et du bleu délavé du ciel, il semble que les artisans aient voulu faire surgir des couleurs vives et claires et masquer de leur exubérance l'aridité du sol. Sur le tapis même est reproduite la direction de la Mecque, axe qui domine et détermine l'organisation de l'espace symbolique du tapis, de même que l'architecture de la mosquée est conçue en fonction du mihrab, renfoncement mural qui l'oriente vers le lieu saint. Les techniques du tissage de la laine, les métiers horizontaux ou verticaux, étaient connues dès le VIe siècle en Iran. Et c'est par l'Espagne et la Sicile musulmane qu'elles ont atteint l'Occident. L'élément final dans l'élaboration de la couleur, c'est l'eau. La laine trop neuve est délavée dans les ruisseaux, étalée dans les rues. La valeur d'un tapis ne vient pas de son antiquité, mais de son usure. Pour qu'un tapis soit achevé, il faut y ménager un coin d'irrégularité, éviter la symétrie parfaite, car Dieu seul possède la perfection. Le travail des métaux, et principalement du cuivre, est très ancien en Iran, mais c'est au 8e siècle qu'il se développe et se propage. Ici, à Fès, au Maroc, les ustensiles de tous les jours sont ouvragés avec la même richesse et la même minutie. Là encore, l'alliance de l'art et de la vie correspond à la permanence du spirituel dans le temporel, si caractéristique de l'islam. Le joaillier, comme le dinandier et le tisserand, sont donc avant tout des artisans fabriquant des objets destinés à tous. Mais chaque artisan se double d'un artiste qui, bien que l'esthétique réponde à des normes traditionnelles figées, est toujours soucieux de donner aux fruits de son labeur une portée supérieure à la seule fonction d'utilité et de s'exprimer à travers lui. Mais il ne transparaîtra rien de sa propre affectivité. L'art islamique se refuse à montrer drames et passions, angoisses et souffrances. Le code esthétique cherche surtout à saisir l'œil d'une plénitude harmonieuse et calme, synonyme de paix. Les objets en cuivre sont parfois ornés de scènes très vivantes, d'une grande délicatesse de dessin. Scènes de chasse, de fête, de danse, où l'agilité et la vigueur du trait contredisent l'apparente froideur du métal. Et ces motifs communs à l'artisanat profane et à la décoration des lieux du culte indiquent bien qu'il n'y a pas de scission profonde entre un art sacré et un art profane. La vie du dinandier est partagée entre son activité artisanale et sa fonction religieuse. Il retrouve sur chaque pan de mur de la mosquée les mêmes formes géométriques qui sont à l'origine de l'art décoratif islamique.
Partout l'espace s'emplit de formes, de courbes, de couleurs. L'artisan est donc ici le muezzin. Il allie dans sa personne le profane et le religieux, le spirituel et le temporel. Au même moment, toute la ville s'arrête de travailler pour prier. De loin en loin, les voix se répondent. Espace fermé, mais qui contient un hiver. Tel est le fort rouge du grand moghol Shah Jahan au XVIIe siècle. Citadelle, palais, mosquée, jardin, tout à la fois. Mais citadelle d'abord. Dès qu'on approche du fort rouge, on est frappé de ses murailles sombres, d'un rouge sang de bœuf, avec des tours qui ressemblent à des tours de jeu d'échecs et des portails qui permettraient de passer sur des éléphants. Lieu de plaisir également avec le jardin, le Charbagh, importé de Perse et qui permettait au grand moghol, assis sur son trône, de dominer les enfilades, les espaces, un peu comme dans le jeu d'échecs. Et dans la salle des audiences, il est écrit en persan Agar Ferdaus, Baroy Zamin Ast, Hamin Ast, Hamin Ast, Hamin Ast. Ce qui veut dire, s'il existe un paradis sur terre, c'est ici, c'est ici, c'est ici.